Et maintenant, on va pouvoir assister à la performance et pourquoi pas la démonstration de Carl Lester avec Utopia. Cheval extraordinaire, Utopia. In the world. He is part of Britain's team that took gold. Carl Lester with his and Sandra Stewart's Utopia, Great Britain.
Le Britannique Carl Hester, véritable star ici à Londres, forcément avec sa monture Utopia. Il était extrêmement attendu. Il a fait partie de cette équipe britannique qui, l'été dernier à Rotterdam, avait créé la sensation en remportant pour la première fois de son histoire le titre européen par équipe, en devançant du coup les Pays-Bas et l'Allemagne, deux nations qui sont traditionnellement leaders de cette discipline. Alors forcément, Carl Hester, tout comme les autres cavaliers et cavalières britanniques que nous avons eu la chance de voir sur Eurosport, il a été extrêmement attendu ici à Londres, au Grand Hall Olympia, pour cette quatrième étape de la Coupe du Monde de dressage. Carl Hester avec Utopia, médaillé d'argent aux Europes. Voici le score de Carl Hester, 83-450, ce qui lui permet de se hisser sur le podium à la troisième place de cette quatrième étape de la Coupe du Monde de dressage, devant son public. Et pour l'instant, on a un podium 100% anglais.